Arrive à la mi-temps, on est emmené 2-1 et on s'est presque plus créé d'occasions franches que sur la première mi-temps. On s'en crée 3-4 assez grosses, dont une là où on peut égaliser à la mi-temps. Ça, c'est un peu le paradoxe. Non, je crois qu'au final, c'est quand même la fierté d'avoir vu mon équipe comme ça. Je savais que la différence, elle était très grande. Donc, on est toujours partagé par le fait de faire un exploit, mais aussi de prendre une gifle et d'être ridicule. Et je crois que loin de là, on n'a pas été ridicule. Même en fait, sur la deuxième mi-temps, on même un peu mal mais sur les deux, en fait, du coup, c'est quasiment un jeu légal. Oui, après, c'est ça. Vous n'êtes jamais à la rue, quoi, franchement. Ouais, on était un peu sur la corde. En première mi-temps, j'ai trouvé là, quand on a pris les deux buts, j'ai dit aïe aïe aïe, et puis il y a eu cette réaction. Et en deuxième mi-temps, ouais, ils marquent sur leur temps fort, là, on a du mal à gérer. Forcément, tout va un peu plus vite, quoi. Mais oui, on a eu aussi quelques situations en deuxième mi-temps. Non, voilà. Je leur dis bravo, bravo, bravo à mes joueurs, bravo à l'ensemble des bénévoles qui ont préparé cette journée, plus de 50 bénévoles, il fallait que ça soit une fête, je crois que ça l'a été. Bon, il m'a manqué l'exploit au bout, mais encore une fois, je suis fier des garçons. Avec une vraie ambiance de derby, ça a vibré aujourd'hui à Pierre-Figaro. Ouais, ça a vibré, il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Voilà, il fallait que ça soit la fête du football gardois et je crois que ça l'a été. Voilà. Il n'y a pas eu l'exploit, mais je pense que voilà, tout le monde sort de là satisfait. Bon, nous, on n'est pas très content d'avoir perdu, mais globalement, quand on y repensera, il y a beaucoup de points positifs. Et on aime quand même bon match de football. Bon, 8e tour, c'est souvent un peu heurté, tout ça, 7e bon match de football. Ouais, les deux équipes ont joué et puis Nîmes nous a plus que respecté parce que je m'attendais à pas mal de turnovers, il y en a pas eu beaucoup.